Putain, j'ai envie de tout casser. Hein. Putain de chevreuil. Hein. Celui-là, il aurait mérité de finir empâté. Hein. J'ai envie de sauter de ton moto juste pour me faire mal, tu vois. Ça m'énerve là, j'ai envie de tout casser. Tu veux faire plus que pas, je pense que je vais mourir, oui. Attends, mets ta ceinture, c'est plus que... C'est fait, c'est fait. Ah non, c'est pas fait. Bah. F. Non, pas F, le ceinture. Tu me prendras pas pour une abrutée très longtemps, toi, tout ça. C'est bien, tu as au moins essayé de faire une blague. C'est un peu de mauvais goût comme blague, tu m'aimes pas, je crois, toi. Oui, je crois que ça, c'est pas très drôle. Hein. Sur le coup, c'est marrant, mais je crois qu'après, c'est vachement moins drôle. Une fois que la tête elle est étalée sur 15 mètres de route, ça fait. Allô ? Tout va bien, Johnny ? Ça va très bien. Dis-moi, j'aurais besoin de te parler tout gentiment, s'il te plaît, c'est possible ? Ouais, bien sûr. Je te dois imputer quelque chose, je fais une boulette. Vas-y, t'inquiète, j'envoie la pose à moi. Bah écoute, je te rejoins, on se rejoint. Merci. À tout à l'heure, merci. À toi, comment ça, toi, enlève tes mandouguidons, tu veux nous tuer, toi, non? Tu crois que j'ai envie d'avoir ma tête étalée sur 15 km de route, hein? J'ai quelque chose dans la tête, elle est un peu vide, d'accord? Mais j'ai quand même des choses à laquelle je tiens, tu vois? Je suis beau gosse, j'ai pas envie d'être défiguré, donc tu vas être gentil, tu vas garder les mains sur le guidon, s'il te plaît. Je t'aime bien, Taz, mais tu es un peu bête, hein, quand même, des fois. Je comprends pourquoi il y a marqué GOG sur ta plaque d'immatriculation. Il aurait dû marquer GOG, tu sais, comme Gogol, tu vois. Non, je t'embête, je vais te faire une blague un peu. Il faut que j'appelle mon frère pour savoir où. On va l'appeler en copie. Bah je sais pas, je crois qu'il faut aller là-bas, oui. Je vais quand même appeler le frère pour savoir. Comment? Oui bah oui, c'est grave. Hein. Bah, moi j'ai trouvé l'endroit où j'ai emmené, où on a discuté avec Pablo. Allo! Hola hermano! C'est où on rejoint John? Je suis avec John, je vais t'envoyer la position, j'arrive là avec lui dans 2 minutes. Ouais vas-y, c'est au QG? Non, je crois pas, non, c'est pas là-bas. Bon bah vas-y, envoie-moi les positions. C'est pas au QG, hein. Il va m'envoyer l'opposition et je vais te le mettre sur le GPS. Tu sais le truc que tu as dans le viseur? Putain, j'ai envie de tout casser. J'ai acheté une belle voiture et un putain de chevreuil qui me l'a flingué. Hein. J'ai vraiment envie de crever ce soir. Hein. Ça m'énerve. Hein. En plus, tu sais quoi? Il y a plein de gens qui l'ont vu parce qu'il y avait le GoPro. Et j'ai encore plus envie de tout casser. Oui, j'ai la GoPro. Et du coup, j'ai encore plus envie de tout casser. Heureusement, tu vois, le GoPro il était pas relié à l'application en direct, tu vois. Mais putain, j'ai quand même envie de tout casser. J'ai envie de mourir. Tu veux pas me rouler sur le tête? Faut faire du catch-up avec ce putain de chevreuil. Ah non, tu m'as pas pris la position. Non, mais je l'attends. Je suis comme toi. Fais attention, je suis derrière, j'ai pas envie d'avoir mon costume qui soit tout déchiré que Zubito, mais s'il te plaît. Oh putain, on va éviter. Et moi déjà... Oui ouais, viens à mon appartement, je vais le montrer à John, il veut le voir. Ah bon bah ok, j'arrive. Ah. On va à l'appartement tout neuf. Tu sais où il est? À peu près, ouais. Bah tu veux que je te mets un point sur le GPS ou pas? Ouais, je veux bien. Je m'en occupe. Voilà, je t'ai mis dans le viseur. Ouf! Moi, j'ai déjà mon voiture ok cassé, j'ai pas envie de perdre la vie, hein! J'en ai marre! Je veux mourir! J'en peux plus! Je crois qu'il y a des gens, ils vont rigoler, hein! Maintenant, je peux dire que je suis pas tout seul dans mon tête.
Et je crois que toutes les autres personnes dans mon tête se foutent de mon gueule déjà, tu vois. Et je crois que t'as une GoPro, mais t'es pas en... J'ai un GoPro, mais il est pas relié en direct, tu vois. Ok. Mais ils se foutent quand même déjà de ma gueule, je sens. Bon, après, j'avoue, c'était marrant. Eh, tout départ à Bobby, hein. Moi, il y avait pas de chevreuil. Je suis juste arrivé trop vite dans le virage et j'ai pas eu le temps de déraper, mais chut, chut, chut. C'est un secret entre toi et moi. Je te fais confiance, Taz. C'est ce que je veux dire. Oui, mais le chevreuil, il faut que ce soit crédible, tu vois. Non, j'ai même pas essayé de déraper, elle a juste pas tourné assez, tu vois. L'angle de braquage, il était un peu pourri, tu vois. J'ai pas envie de tout casser. Putain. Moi, j'ai voulu faire monter. Bon, heureusement, j'ai pas mal, ça va. Bon, il faut que je l'appelle. Il me raccroche à la gueule, ce con, en plus. Je vais vraiment finir par le mettre en baffe. Hein. Je l'aime bien, c'est mon frère, mais là... Moi, il se fout de ma gueule. Putain. Il arrête pas de me raccrocher à la gueule, il m'énerve. Hein. C'est qui lui avec nous? C'est Taz? Oui, c'est Taz. Ouais. Ça va ou quoi, les gars? Tout va bien, John? Je te fais une bise. À toi aussi. Bah, tu le mérites, tu sais. J'ai pas été. Bon, voilà, tu sais. Je te dirai là-haut. T'inquiète, ça arrive. J'ai fait une boulette. Et pour me faire pardonner, j'ai envie de te faire plaisir, tu vois? Tu sais, j'ai envie de trouver un chevreuil, de le fumer, de le bouffer. Hein. Ce bâtard, il a renversé mon voiture, il a traversé la route et j'ai dû l'éviter pour pas casser le voiture, mais j'ai cassé le voiture quand même. C'est pas grave, ça arrive. Oui, mais j'ai envie de le bouffer maintenant, le chevreuil. J'étais à 200 km/h, va esquiver un chevreuil à 200 km/h. Putain, Bobby. Ah, va être bien, il faut faire les réunions, les briefings, tu vois. Ouais, il dit ça, il dit ça, mais c'est surtout pour impressionner les filles. Hein. Tu vas ramener de la chica ici. Ouais, exactement, tu as tout compris. Les chicas qui font les danses privées là, tu vois. Après, je te dis pas la gueule de ma chambre, putain. Attends, Franck, pousse-toi un petit peu en moins, Bobby. Oui, je suis gros, je sais. C'est gentil, Herman, tu penses toujours à moi, toi. Tu es très gentil. Ok, tu l'expliques, Franck, ton petit problème avec Je m'assois et je lui explique. Ah, c'est gentil. Voilà. Bon, dis-moi, John. Je crois qu'on a eu un petit différent tous les deux hier. Rien de bien méchant, mais j'ai fait un boulette. Ça veut dire que tu te souviens qu'est-ce que je te dis? Je te dis, la maître, c'est un mes frères. Tu te souviens, ça? Ouais. Bah, je me suis fait baiser la gueule. Comment ça? Bah, j'ai perdu 3000 euros. Quoi? Pour un pochon de maître? Oui. Ça veut dire en fait, moi j'ai été gentil avec lui, j'ai voulu lui rembourser le prix du pochon, et m'a baisé le gueule. Ça veut dire que si tu l'attrapes, tu lui éclates les dents, tu comprends? 3000 euros de pochon, ça fait cher. Non, mais si tu veux l'attraper, non, vous, c'est bon, les commentaires, c'est bon, je me suis fait baiser, je suis déjà colère, j'ai perdu mon bagnole, j'ai envie de mourir là ce soir, j'en ai marre. Putain, j'en ai marre! On a la démonstration que ça, il est pas fiable, tu vois. Oh! Putain, il y avait en vitre! Aïe! Putain, j'en ai marre! Oui, moi aussi, je suis en plein! Combien ça coûte à moi, putain de merde! Aspirant, on va se mettre sur la bête, hein! Non, mais moi aussi! Putain, merde! Tu fais un run d'achat de toutes les voitures! Non, moi aussi, j'ai envie de pleurer, tu vois! J'ai perdu 3000 euros hier, je viens de perdre 45 000 euros avec la voiture crachée à cause de ce putain de chevreuil. C'est bon là, hein, l'argent, ça suffit. Putain de merde.
T'imagines, le run ça fait 750 000. Non, tout calme, s'il te plaît. Pourquoi tu chuchotes, Herman? Que moi? Bon, ah non, ça va. Ah, je te vois jeter un cri dans l'oreille, peut-être. Putain de merde! Tu vois, le plan c'est qu'on va quand même s'occuper de Saint-Antoine, tu comprends, Johnny? Alors c'est pour ça. Moi, tu auras le plaisir de lui casser la tête, c'est tout. T'inquiète, voilà. Je te l'offre. Je lui couperai quelques petits doigts, tu vois. Ah voilà, tu voulais lui couper quelques petits doigts. Ouais, mais le but c'est qu'il finisse par oublier. Tu vois le pilule de tout parler? Cette histoire de doigts là? Qu'est-ce qu'il t'avait dit encore avec cette histoire? Je mets les doigts que dans le gant, il avait dit. Ah ben là il va mettre ses deux doigts coupés dans le cou là. Moi, oui, qui doit un coup doit deux coups, hein. Il va se rappeler de rien, t'inquiète pas. Oui, je te fais confiance, John. Je te dois de plates excuses, je te suis désolé pour le boulette que j'ai fait hier. J'aurais dû me taire et te laisser faire. T'inquiète. Tu l'avais pressenti et moi j'ai voulu insister en croyant que je pouvais avoir confiance et c'est fait un boulette. Ah, mais quand tu croises un gars comme ça qui parle que par énigme, tu vois, ça peut que porter à la méfiance. Hein. Dis-moi, mon frère, c'est quand que tu vas arrêter de m'écraser la tête avec tous tes commentaires à chaque fois? Tu fais des commentaires qui pèsent 3 tonnes sur mon voiture, maintenant, c'est bon, je sais que je me suis fait encouler, tu vois. Oui, tu l'aimes bien, mais tu m'as quand même fait un bon nombre de commentaires sur le fait que je l'ai renversé à cause de ce putain de chevreuil. Là, tu as donné le bâton pour te faire frapper. Mais c'est pas mon faute, va le trouver le chevreuil, tu le tues. Te le fous mais te le bouffe. On a quand même fait avec Etas une course épique, tu vois, la moto contre la E8, tu vois. Je me dis, putain, là, mon frère, il va nous mettre une cartouche, là, va rien comprendre. Ben, là, je peux pas, tu réfléchis même pas, je peux pas te mettre en cartouche. Ma voiture, elle est d'origine, la tienne, elle va beaucoup plus vite. Et lui, il est en moto, il est beaucoup plus léger, tu réfléchis ou pas? Ça va, man, je te charge. Tu es un mauvais pilote, hein, pour pas savoir ça. Ah, mais tu sais, moi, je suis un très mauvais pilote, je suis pas comme toi, je suis pas comme John non plus, je suis pas comme Etas, hein. Je suis le moins bon pilote, moi, ici. Au fait, John, je crois mon frère, il m'a dit tu voulais que je te rende un petit service. Lequel? Bah, je sais pas, il m'a dit que tu me dirais. Il m'a dit, John, il veut que tu lui fasses plaisir. Si je peux... Ah bah non, le plaisir, c'est que... Ah, c'est pour attraper sa tête de con. Bah oui, bien sûr que je lui fais plaisir. Bien sûr, je lui laisse. Il veut lui couper les doigts. Je vais clairement couper autre chose, moi. Oh non, faut se calmer quand même. S'il vous plaît, je suis pas de ce bord là. Ah, la chambre elle est là-bas au-dessus, les gars. La porte elle est ouverte. Et vous me prenez pour quoi exactement là, hein? Ok. Alors voilà. On a quand même fait de bonnes choses aujourd'hui. On a avancé dans le business de l'opium. Là, on va pouvoir. Bobby, la cité rouge est en contact. Aïe. Putain, je suis désolé. Non, je suis désolé, vraiment. Que leur cul, tu vois. Comment ça? Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il gère cela. Il gère juste une cité. Il fait genre le gars, je sais pas moi. On lui a proposé là de. J'ai envie de frotter ton crâne avec une éponge, mon frère. Il a donné suite à la proposition que je lui ai faite, tu vois. Tu lui as fait quoi comme proposition? J'ai envie de mourir. Je lui ai proposé voilà, qu'on se contacte pour faire un peu de business. J'en ai ras le cul. Peu importe, on peut lui rendre des petits services, faire de trois petites choses pour on lui. On peut même plus faire une erreur sans qu'on se foute de la gueule du monde. J'en ai marre. J'imagine, tu vas faire des runs de but. Non, tout au tête, s'il te plaît. Pitié, tout au tête. Je préfère traiter avec la Castellana. Franchement, la Castellana. Il commence à prendre du galon, hein, comme on dit, tu vois, il faut pas les sous-estimer, ceux-là. Et ouais, mais sauf qu'il faut pas leur dire, hein, que tu sais que c'est eux. Voilà, ouais, ils me l'ont dit eux-mêmes, Herman. C'est eux qui m'ont dit que c'était à Castellan, Herman. J'ai pas eu besoin de le dire. Pour ta voiture? Oui. Tu te rappelles ta voiture? Oui, je me souviens de ma voiture, je vais te mettre en claque derrière le crâne, hein, tu arrêtes, hein, s'il te plaît. Non, je parle à Bobby, là. Ah, tu parles à Bobby. Tu t'es fait voler. De Mercedes, oui. Ah, c'est la Castellana qui m'avait volé la bagnole. Ouais, je crois, ouais. Ah, mais depuis, je l'ai récupéré et je la fourrière, il m'a ramené la jolie. Dis-moi, tout. John, tu sais, c'est j'ai. Pas grave, écoute, je lui fais cadeau de la location. John, tu sais, j'ai acheté une voiture tout à l'heure. C'est vrai? Oui, j'ai acheté une belle voiture, mon frère il m'a aidé, tu vois. T'as acheté quoi? J'ai acheté une Aston Martin, tu vois. Et l'Aston Martin, je crois, elle fait pas le poids face à un putain de chevreuil. Tu sur la voiture. C'est laquelle Aston Martin? La Z260, je crois. Ou 620, ou Z quelque chose.
Je vois pas c'est laquelle. Je te l'aurais bien montré, mais le chevreuil il a traversé la route, j'étais à 200 km/h et j'ai retourné la voiture. En voulant esquiver le chevreuil. Ah, le principal, c'est que tu es toujours en vie, Herman. Oui, bah oui, j'ai eu de la chance, oui. Bon, les gars, on a prévu quoi pour ce soir? Ah, écoute, le plan, c'était d'attraper Antoine et Mamarezo. Je vais essayer de le rappeler. Je crois qu'il est pas en ville ce soir, alors on va voir s'il répond, si pas... Attention, les gars, j'ai pas tard à faire une sieste en verre. Ah, mais moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai acheté charbonné pour aujourd'hui. Hein. Franchement, je vous le dis, je suis fatigué, moi. Après, moi, je serai là plus le soir. C'est dommage, on aurait pu faire des belles choses. Je voulais vous inviter à boire un petit verre. Allez, moi, si tu m'invites à boire un verre, moi, je te suis. Hein. Je dis jamais non pour le dernier verre. Bon, ce petit, on va dire cochon pour pas insulter parce que sinon c'est pas bien. Mais ce petit cochon il répond pas. Mais par contre, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se poser là vite fait au parking du cambu parce que celui-là il charbonne au cambu, tu vois alors. Tu vas aller essayer de lui mettre la main dessous, voir s'il est là-bas? Ah, si, si. Oui, si, vas-y. T'as tout compris. Je te suis. Toi le Mercedes? Si, si, j'ai la Mercedes. Attends. On prend tous le voiture. Psst, tu le gardes pour toi. T'inquiète. Je te jure que j'ai envie de m'ajouter depuis la vitre quoi. Attends, je vais essayer. Regarde bien, je vais essayer. J'essaye avec toi. Aïe! Oh! Oh, il y avait une vitre, je crois. Elle est trop solide. C'est une vitre blindée. Tu me dis, il n'y avait pas de vitre. Aïe, aïe, aïe. Il faudra. Il faudra que je te croise sur l'intranet. Mais ajoute-moi. Enfin, ajoute-moi sur l'intranet. Attends, je vais te l'envoyer. Oui. J'ai pas ton numéro. Attends, faut que tu me donnes ton numéro. Je te le donne, ne bouge pas. Le 834-1837. Ok. Viens, on va les rejoindre encore. Ils vont se dire qu'on fait des choses pas bien. Ah ben voilà. Sors le Mercedes, je vais le renverser aussi. Merci. Hein, mon frère? Tu me fais pas ça, Armand, j'aime bien la Mercedes. Sur le Mercedes, je vais croiser un chevreuil, je vais le renverser aussi. Hein. Ah, mais alors qu'on le trouve ce chevreuil et qu'on fasse des bonnes brochettes. Oui, hein. J'ai envie de faire attends, un putain de pâté avec sa tête. Ou pas, comment? Attends, tu veux me le redonner ou pas? J'ai oui, bien sûr, je te le redonne. ...834-1837. Je crois que je vais croiser un chevreuil avec le Mercedes. Attends, je pense savoir pourquoi en fait. Dis-moi, tu n'arrives pas à rentrer le numéro? Attends, je fais une sieste vite fait là. Je te dis, je vais recroiser un chevreuil avec le Mercedes. Taz? Ouais. Tu penses faire comment? Pour Antoine? On lui fait quoi? Tout ce que je peux vous dire, c'est faites-lui mal. Attends, c'est quoi, c'est 834? 834-1837. Tu sais, tu pourras même lui fourrer ton poing au fond de la glotte. Non, c'est juste que j'avais un délai. Ah, tu as donné aux René qui ont du mal. Mais je comprends. Attends, du coup, j'ai trois fois ton truc. Ah, c'est compliqué ça. Au moins, t'es sûr de pas m'oublier. Bah, je sais pas, là on va au point de Cambu, on l'attend, et puis s'il est là, on lui attrape. Vous avez le droit de lui faire très très mal. Moi je prends ma moto. Tu lui roules dessus, tu fais du ketchup avec sa tête. Vous prenez la voiture 4 places. Ouais, mais si jamais il nous reconnaît, là vous mettez un masque, et de toute façon si vous le niquez, vous mettez coma, il oubliera de toute façon. Bah c'est le but. Bah ouais, mais on va pas le tuer pour rien comme ça. Bah pas, c'est pas pour rien. Pour 3000 euros. Oui. Non, c'est pour un manque de respect évident, tu vois. Oui, je comprends, John. Oui, voilà, on est bien par terre aussi. Non, pour le manque de respect surtout, mais c'est pas le tout. On va lui dire qu'on peut pas se permettre qu'il se souvienne parce qu'on veut pas des problèmes, tu vois. C'est valide. Tu en penses quoi, John? On lui met un petit coup de batte derrière la tête. Ah, vous avez vu, il y a un paillasson qui a parlé.
Oui, j'ai envie de lui faire mal un petit peu, il n'a pas arrêté de me charrier après le chevreuil. J'ai envie un petit peu. Ah, j'ai un problème avec le garage. Je vais aller voir, faut aller voir autre parking. Non, machin. Putain. Putain, nique sa mère. Oui, je monte avec toi. Moi ça marche, moi c'est cool. Toi et moi, c'est le vrai ami ici. Attends, Taz, vaut mieux que tu prends Bobby, vous allez au parking, prenez la voiture, vous allez venir me chercher. Oui, c'est vrai. Vas-y. Mon frère, monte sur la moto de... Non, mais il est parti la ranger. Bah oui, il est bête. Et c'est là qu'il faut en blaguer sur la moto. Ah mais c'est pas moi de la clé, je... Ah mais nickel, c'est bon. Ah mais c'est... Ah non, c'est bon. Ah. Voilà, parfait. Du coup, on peut tous aller là-bas. Toi, dans cet immeuble, ils roulent tous avec la I8. Bobby, il coûte combien cet appart? Beaucoup trop cher. 150 000 euros. Non, non, il coûte 230 000. Ah, 230 000, c'est ça. Putain. Il a acheté, il se souvient même pas du prix, tu vois. Il a saigné les papiers avec sa... avec son... On va directement en Clio, Taz, hein. Tu peux te rassurer, attends, je te mets les... Si, si. Oui, on va directement en là-bas, oui. Vous le faites rentrer comment dans la voiture? On le met dans le coffre. Pas rentrer dans la voiture, il va faire un aller direct à... Bah, une fois qu'il est plié en dos, il rentre dans le coffre, non? Et vous pouvez sortir, en fait, faut juste attendre, les gars. C'est... En fait, on est... je crois qu'on est beaucoup en ville. Oui, je crois aussi. Ah si si man, tu as raison. Putain. Marchez mon frère. Vas-y, on fait ça. Comme ça vous le faites monter dans la Mercedes. Ok. Non, tombe pas derrière, j'ai pas envie de t'écraser. Va tout droit parce qu'il y a quelque chose. Attends, là qui va passer. Attends, j'ai un problème, attends, j'ai un problème. Je peux pas avancer. Fais essayer John là. Tu peux avancer ou pas? Tu arrives à rouler? On a besoin d'Antonio, Antonio, il n'y a que lui qui fait démarrer les voitures, putain. Tu arrives à rouler? Antonio sort de prison. Non, non mais c'est pas ça, Antonio, il était en train d'éteindre le moteur, mais là il s'éteint pas carrément. Tu me laisses essayer? S'il te plaît. Attends. Je crois qu'il y a un problème la voiture, hein. Casse-couille, putain, c'est parce qu'on a on a la roue sur la bordure là, je crois. Oui, je crois aussi. Taz, je pense qu'il faut les pousser, hein. On fait voir un peu. On va essayer de faire un véhicule. Tu sais pas faire un véhicule pour te... je crois. On fait voir un peu. Attendez, j'ai réussi à éteindre le moteur. Non, tu peux pas, tu peux pas. Ah bah j'ai réussi. Alors voilà, tu me respectes maintenant? C'est ça mon Franck. C'est bon, je te pardonne de l'accident, je te pardonne. Oui, et puis tu arrêtes, surtout tu arrêtes les commentaires. Hein. Ah. J'ai l'impression qu'il... Tu parles de quel commentaire? Il arrêtait pas de faire des commentaires après que j'ai voulu chevrer sur la route. Ah, ok. Allez, on va essayer d'aller attraper le petit canari. Bobby, t'as quoi sur toi? Ah, je suis pas pris du lourd, tu vois. Il a son gros, il a son gros j'ai poutre. J'ai le chicos entre les jambes, j'ai pris le cran d'arrêt, tu vois. De quoi? J'ai pris un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt? Je vais rouler doucement parce que j'ai mes yeux, ils ont un peu du mal à suivre. Oh, je crois qu'il y a beaucoup de monde en ville. Si. D'ailleurs, il y a un mec, je crois qu'il m'a... Oh! Oh là, non! Qu'est-ce que tu as fait, mon petit? Mais je l'ai pas vu! Il a tourné au dernier moment, qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis désolé, tout va bien. Tout va bien? Je t'ai fait beaucoup mal ou pas? Je suis désolé. Je veux plus que tu touches le volant aujourd'hui, toi tu as bu, c'est pas possible. Heureusement j'avais mis la ceinture. Mais j'ai rien bu du tout, il a tourné au dernier moment. Putain, tout m'emmerde, j'y vais à pied. C'est bon, ça m'a saoulé. Ça va, Taz?
putain, vas-y, ça me casse les couilles tout le temps des commentaires. Il peut pas la fermer 5 minutes, non? Le mec, il tourne au dernier moment, il coupe la route au dernier moment, c'est bon, quoi. D'accord. Quoi? Tu veux que je monte dans la voiture pour que tu me dises encore des choses désagréables, c'est ça? Et parce que tu fais des choses désagréables. Moi, j'ai pas fait exprès! Il a tourné devant moi! Vous comprenez ou pas quand je dis? Il a tourné devant moi, j'ai pas eu le temps de freiner! Si je l'avais fait exprès, j'aurais continué à le rouler sur 15 km! Putain! Oh là, c'était propre ça! Oh là là! John, toi, es sur le radio? Non, attends, je vais la rejoindre. Bah, ce serait utile si jamais vous le voyez. Moi, je vais vous attendre au cambou, vous allez tourner si vous le voyez. Là, un petit quart d'heure, s'il vient pas, on va faire la sieste. Je crois pas que. Hier, il charbonnait, à mort, Rasters. Vous faites quoi? Vous l'attendez? Mais il faut pas l'attendre là, les gars. Je pense qu'il faut l'attendre devant le point de cambu. Ouais, c'est vrai qu'hier il venait ici, mais peut-être que qu'aujourd'hui il va aller directement au point de cambu. Hein. Mais de toute façon, si on attend devant le point de cambu, on le verra s'il vient ici. Il a raison. Moi aussi je sais faire ça. Le demi-tour vite je sais faire aussi. Je sais même faire le demi-tour avec le toit. Et on va se garer la voiture, on va se mettre, tu sais là, on se met à l'ancienne, tu vois. Ouais, mais là-bas, on nous voit en fait. Ah, ok. Ah, putain! Ah, j'espère que vous kiffez, les gars, parce que. On va passer chez ouais, c'est un peu long, un peu chiant, j'en suis désolé. Mais là, putain. Bobby, tu te masques pas? Parce non. C'est toi, tu as l'arme. Ouais, je vais. De toute façon, il me reconnaît avec pas. Avec tout le respect que j'ai pour mon frère, t'as vu la gueule qu'il a? Tu crois vraiment qu'il a besoin d'un masque? A tout la mérité, avec tous les commentaires que tu as fait, avec tous les commentaires que tu m'as fait, tout l'a mérité celui-là. Ah mais je le prends comme un compliment, j'aime bien ce maquillage, je trouve... C'était pas un compliment à la base, hein. Ah mais je suis pas censé être beau avec ce maquillage, je suis censé faire peur, Herman. Non, tu fais peur tout court avec ou sans maquillage. Ah voilà, alors c'est la mission accomplie, alors. Oui, non mais tu fais peur aux chicas aussi. Ah ça, le chico, les grosses chicos, ça fait peur aux chicas, ça c'est vrai. Le chicken, ils s'en fout tant qu'ils vont regarder la poche de Bobby. T'as tout compris, hermano. Toi, tu comprends vite. Tu iras loin dans la vie. Ouais, bah ouais. Hein. Et moi, j'ai rien compris du tout. Regarde la poche hein. Et dans quoi tu as le cul assis là. Par contre, Bobby, c'est bizarre. Te rappelles avant comment on charbonnait avec Pablo le point de cambu? Il y avait plein de gens. Ouais, mais c'est parce que tu vois, la police, elle a intensifié les contrôles au cambriolage. Tu comprends? Ça commence à devenir le soir, personne, frère. En fait, le problème, c'est ça, c'est que la police, elle a intensifié vraiment, vraiment beaucoup les contrôles au point de cambriolage, tu vois. Dans ces quartiers-là où tu peux... Moi, je vais me balader. En fait, ils se font péter avec les camions directement. Je vais me balader un petit peu parce que ça m'énerve. Taz, tu peux venir s'il te plaît. Je suis désolé, je voulais pas tout faire mal. Tu sais, je t'avoue tourner juste devant moi et j'ai pas eu le temps de freiner. Mais ouais, mais ça m'énerve parce que à chaque fois je fais un tout petit boulette. Je prends 3 tonnes sur la gueule, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Je commence à en avoir ras le coup, tu vois? J'ai l'impression qu'on me prend pas au sérieux, tu vois? Alors que j'ai prouvé que... Mais...
Je pense dans pas longtemps, je vais mettre un petit claque à mon frère parce que ça commence à me saouler, tu vois. Je vois. Il m'écrase devant vous, bah, après je m'en fous, c'est mon frère, tu vois, je le prends pas mal, mais à la longue, ça commence à devenir un petit peu lourd. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, tu vois, le pseudo chevreuil, bah, ça arrive à tout le monde, tu vois, la voiture elle a pas braqué assez, oui. J'ai essayé de ralentir et ça a monté sur le barrière et j'ai fait oui, et puis paf, ça fait des chocs à pec. Et puis là, je te jure, hein, j'ai pas eu le temps de freiner quand tu es tourné devant. Et du coup, lui, il me dit, oh là là, je te mets plus de la voiture dans les doigts, oh là là. Et ça m'énerve un petit peu, tu vois. C'est ma faute aussi, je sais pas si c'est comme ça. Mais j'ai pas compris, bah, c'est de ta faute, mais oui, mais c'est moi qui prends tout dans les dents, tu vois. Oui. Et j'ai envie de le mettre en baffe, du coup. Ça va, toi, hein, pas trop mal à la jambe? Non, ça va, j'ai deux, trois égratignures, mais ça va. On te donnera un petit peu de maths. Ça te fera tout bien, je crois. Putain de merde. Je craque psychologiquement, j'ai envie de mourir. Je vais attendre un voiture qui passe, là, regarde. Hop, voilà. Je vais attendre le voiture qui passe. Toi, tu verras Antoine. Oui, je crois, oui. Je l'aurais mérité. Putain, soirée de merde. Bon, c'est drôle, tu vois, 5 minutes, mais... Là, j'en peux plus, je craque. Le voiture, le deuxième voiture, je te fauche toi avec le moto. Tu vois que c'est dangereux, le moto. Je fais un vol plané. Putain, je t'ai vous volé. J'ai bien entendu que tu étais, comment dirais-je, psychologiquement atteint quand tu es arrivé au sol. Tu rigolais. Tu rigolais tellement que tu avais mal, dis donc. Ah ouais, je crois. Oh putain. Bon, c'est bien, au moins c'était drôle 5 minutes. Mais moi, j'ai paniqué, je suis descendu de voiture, tu vois. Et quand tu m'as fait le truc, moi, je me dis, je me casse à pied, tu vois. Ça m'a saoulé vraiment. Ah, je crois qu'il est dans le derrière de Taz, je crois. Il est parti où là? C'était pas lui. Non, c'était pas lui. C'est rien, ça le fait quand même. Il était où? Je crois qu'il est parti sur le parking. Hein. C'est possible. Putain, j'ai pas de masque. Pas besoin. Ok. Vas-y les gars. Vas-y, bonne soirée. Tu avoues comment ils sont avec moi? Ils se cassent avec le voiture et ils me laissent là. Comme une merde. Putain, j'ai envie de crever. Tu es sûr que tu vas pas me rouler dessus? Et t'avoues, ils passent 3 km après qu'ils m'ont oublié. Putain. Hermano. Ouais. Tu connais. Ouais. Tiens, monte dans la voiture, monte dans la voiture. Oui, je remonte dans la voiture. Merci, merci. J'ai un problème. J'ai perdu mon masque. Il faudra te remettre de l'essence, hein. Vraiment, petit tatouage, ça fait qu'un. Ah, franchement, merci à toi, tu me fais plaisir. Toi, tu es un bon, je t'aime bien. Comment tu t'appelles, hermano? Chotas. Chotas, ok, Chotas. Alors, cravache bien, ramène ce qu'il faut pour ton boss. Hein. Vas-y, t'inquiète. Hein. Allez, que ça aille bien, hermano. Vas-y, à plus. Ok. Parfait, c'est un membre de la Castellane, je lui dis. Tu devrais aller mettre de l'essence. Je lui dis de dire à Théo que Tony. Je regarde la jauge, elle est. Il aime beaucoup la Castellane. Je regarde la jauge, je crois que tu devrais aller à la station. Et ça, c'est un poteau, bravo. Il m'a dit qu'il aime bien mes tatouages. Oui, aïe. Et après, on dit que moi je conduis mal. Arrête-toi, je vais tirer le masque, arrêtez-vous. J'étais sur le GPS. Arrête-toi. Je t'embête. Bobby, t'as vu comment je l'ai reconnu? Ah, franchement, tu. Je sais pas comment tu as fait avec le masque pour le reconnaître, mais franchement, tu es fort, hein. Je t'ai dit, j'ai mes permis. Antoine, je l'ai vu, tu vois.
Tu vois, maintenant, il faut pas braquer n'importe qui au point de cambriolage. Il faudra demander à quel groupe il appartient. Si c'est la Castellane ou la... on touche pas. Okay. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir là? On a les bonnes relations avec eux. Par contre, si c'est les rouges, on lui démonte le couloir, je vous le dis à moi. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est les rouges, je démonte le couloir. Mais dis pas alors qu'il y en a. Comment? Si on démonte la rouge, tu dis merde. C'est pas la bonne idée ça. Si on démonte un rouge, tu dis pas qui on est. Ah non non Merban, je suis pas complètement débile, je suis pas. Non mais je suis pas ouf. Non non tu as rien, non, ça c'est clair, tu es fou. Excusez-moi, vous savez s'il y a une tempête le matin? Non, y a pas la tempête le matin, tu es baisé là jusque. Putain fin de la nuit là demain là. Putain, demain. Tu peux te dire, tu lui dis au revoir jusque après demain, franchement. Tout la ferme. Je demande juste une information, tu n'es pas obligé d'enfoncer le clou. Je l'aimais bien celui-là de Castellana, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il est gentil lui. Il m'a dit putain, tu as trop la classe avec tes tatouages. J'en ai marre, hein. Putain, là, je préfère monter avec toi. Bien que j'entends, tu vois. Je dis un truc, je demande un petit truc et je prends 3 tonnes dans la gueule. Je lui dis, tu crois, il y a une tempête le matin, il me dit non, tu peux le dire adieu jusqu'à. Vas-y, c'est bon, tu peux juste me dire non et ça suffit, tu vois. Tu peux dire adieu à ton voiture jusqu'à après demain. Non, on reste au fil, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui peuvent dire ça, c'est pas du tout un bol, toi. Du coup, on fait quoi? On va dormir? Pourquoi vous passez par là-bas, les gars? Pourquoi passer par là-bas? Ben, pourquoi passer par là-bas? Non, mais je veux juste voir c'était qui. On fait, quoi? On va dormir, du coup? Non, mais c'est mes potes, les balles. On va dormir, on fait quoi? Il y a pas de balade dans la... Non, non, pas, non, les pourpes, c'est... T'inquiète. Mais c'est plus les pourpes. Réitère la question, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir? Je crois que je vais aller faire une sieste, on y arrive. Si, moi je vais aller faire la sieste aussi. Bon, bah vas-y, on va tous à l'appartement de Bobby. Bon, moi je vais dans mon appartement. Oui. Peut-être que je vais venir dormir avec toi, c'est ton nuit. J'ai pas envie que mon frère il me regarde et il se foute de mon gueule. Hein. Quand tu vas t'en avec moi. Bah, je l'aime bien, tu vois, mais il est pas capable de se retenir, tu vois. Quand tu lui demandes une information, au lieu de donner une réponse simple en te disant non, il te dit non, tu peux lui dire adieu jusqu'à après demain. Tu peux être triste, tu vois, il enfonce le clou, tu vois. Je l'aime bien, hein. Mais des fois, voilà quoi. Je suis un peu dégoûté, j'avoue, ce soir. Bon, vas-y, moi je te laisse là. Je vais y aller. Non, on parle. Tu me laisses ton canapé? Ouais, ouais, mais vas-y, tu peux nous faire monter aussi. Bah, tu vas juste faire un sieste? Tu vas pas faire la nuit? Si, je vais faire la nuit. Ah, tout le monde laisse ton canapé. Fais-nous monter. Bon, allez, bonne nuit. Mais la logique, il va nous faire monter, non? Logique, on est devant chez toi, on t'attend. Oh. Et viens à la porte. Putain. Bon, les gars. Voilà, voilà les gars, j'espère que cette soirée vous aura plu, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vais faire plusieurs épisodes, ce sera monté, machin, bidule, et ben écoutez, en tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un bon gros pouce bleu, et à vous abonner en masse. Allez, à ciao les frérots, bisous.